Que la prière de ce peuple qui vous aime tant vous accompagne. Mes amis, gardez ça dans le cœur. La haine n'est pas la solution. La violence n'est pas la solution. La solution, c'est l'amour. L'amour sincère. Vrai. Moi-même, moi décidé de suivre l'exemple de la non-violence du Christ jusqu'à la fin. Parce que c'est là la solution. L'exemple de Martin Luther King, l'exemple de Gandhi et tant d'autres. Suivons le chemin de l'amour. C'est lui capable de mener nous à la victoire finale. Jovenel tombé. Même souhaiter que nous tout apprenions. Si que nous te loin, te lourd pour nous te voir vérité. Pour te comprendre ce que tu as fait, ce que tu as dit. Maintenant, nous comprenons. Son goût est haut. Il vient du Nord. Le Nord héroïque. Et en vérité, cher président, Kotoïa, je suis fier de vous. Comme un homme du Nord aussi. Pape, la vérité, c'est la vérité, même si ça blesse. Il faut dire la vérité, parce que c'est la vérité qui nous rendra libres. Il était porté l'idéal de Christophe, de Dessalines. Et c'est pour ça qu'il s'est immortalisé. Nous tous nous connaissons haïtiens d'antan. Bah, on est si qu'on y a oublié, Batissa. Il a décidé de mourir debout, tant de vivre à genoux. Et ça, avec que nous louons, nous devons être fiers d'exemple ça. Allez continuer sa lutte pour un lendemain meilleur, pour une nouvelle Haïti. Côté tout le monde, il y a la donne. Les riches, les pauvres, les laissés pour compte, les satanistes, les petits gamins là qui nettoient les automobiles sur les rues. Tous, seront les rangs pour travailler à la résolution de son rêve. Pour que Haïti, deviendra vraiment ce qu'elle a toujours été, lumière des nations. Nous t'es fait, nous sommes capables de faire encore. Mais ce n'est pas seulement orgueil pour nous plaindre, c'est pour nous plaindre avec charité, avec l'amour, avec le respect de l'autre, le respect de sa dignité. Parce que lui, on a commencé son assassinat, ça fait longtemps. On a assassiné ses idées. Ouf, ça fait belle lurette. Cet instant-là a été le coup de grâce. Mais il vivra éternellement. Un homme comme lui, il est déjà auprès de Dieu. Nous le savons. Suivons son exemple. Pour redémarrer Haïti. Pour qu'elle puisse redevenir ce qu'elle a et tout. Elle a tout vous aidé. La perle des Antilles, lumière des nations, Haïti chérie. C'est pas impossible. Avec l'amour, on peut arriver là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Thank you.
Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Ensemble, nous avons écouté la parole de Dieu qui nous invite à l'espérance. Que notre prière se fasse maintenant unanime. Choix éternel dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Prions pour notre cher président défunt, Jovenel Moïse, et pour tous ceux qui nous ont quittés. Dans ta bonté, Seigneur, pardonne leurs péchés. Prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Accepte-le et tout le bien qu'il a fait ici-bas. Tout le bien qu'il a accompli pour son peuple, pour ses proches, accueille-le dans la vie éternelle. Prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Prions encore pour tous ceux qui sont aujourd'hui dans le deuil, et spécialement Madame Martine Moïse, ses enfants, et tous les membres de la famille de notre cher président. Réconforte-les, Seigneur, ceux qui sont dans la peine. Que ton amour apaise la douleur de la séparation. Prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Prions enfin pour nous-mêmes, pour tous les hommes, pour tous les Haïtiens. Ici, eux dans la diaspora. Seigneur, donne au monde la paix. Fais-nous grandir dans l'amour de nos frères. Rassemble-nous dans la joie de la résurrection. Ensemble, prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, Seigneur, accueille ton enfant. Maintenant, pour vos intentions personnelles, pour notre cher président défunt Jovenel Moïse, pour sa famille, ses proches, ses amis, dans ce moment de silence. Et aussi pour la conversion de tous les Haïtiens. Pour que nous abandonnions le chemin de la haine. Que nous embrassions le chemin de l'amour, de la réconciliation. De la paix, de l'entraide, du service, du support mutuel. Aidez-nous à briser nos barrières, nos murs, pour que nous soyons un peuple. Un peuple. Ensemble, prions.
raison, cité des joies éternelles, dont ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Maintenant, adressons-nous une fois de plus à notre Père Céleste, dans cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays, à nos familles, à nos institutions. Donne la paix à ce monde. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu nous promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au bon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont besoin de votre miséricorde. Amen. Prions. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom, au milieu des fils et des filles de ce pays, notre cher Haïti, rassemblés en ton nom. Écoute leurs supplications, d'y répondre à leurs appels. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En chantant le Dieu Tout-Puissant. Un berger vient de tomber. Nous sommes tous témoins. Témoins de cet événement. Nous sommes tous maintenant des Jovenel. Des fils et filles. Vers le changement. Et le monde dans ce monde bouleversé réalise d'un seul coup que la terre engendre quelquefois des fous. Tous ceux qui devant son corps font la fête oublient que la mort n'est pas une défaite. Il a mis tout son courage à servir la liberté. L'héritage qu'il a laissé. C'est pour ça que je garde l'espoir. Il n'est pas venu par hasard. Le chemin qu'il a tracé, nous l'avons tous en mémoire. Les martyrs forcent les portes de l'histoire. Un berger vient de tomber sous les arbres. Le cœur de l'humanité est en larmes. La violence a de nouveau mis du sang sur son drapeau et lâché les loups au milieu
agneaux, comme nous l'avons appris des prophètes qui s'aiment le vent récolte de la tempête. Alors j'affirme aujourd'hui à ceux qui l'ont sacrifié que déjà dans le ciel on les a jugés. Mesdames, Messieurs, un très grand merci à chacun de vous ici présents, chacun en son rang, titre, grade et qualité. Merci, merci, merci.